Bonjour, chers amis, shalom. A-t-on le droit de pénétrer dans l'esplanade du temple? Assurément non. C'est la décision du grand rabbinat d'Israël et de la quasi-totalité des sages d'Israël, y compris nos maîtres, le Rav Kook et le Rav Tzvida Kook. Et cela pourquoi? Parce que les frontières internes de cette esplanade ne sont pas définies, car il est absolument interdit de pénétrer dans le lieu du temple lui-même. Or, chez les chercheurs, les archéologues, etc., il y a environ 11 théories pour savoir où l'on peut pénétrer. Et c'est pourquoi la conclusion est que nous n'y pénétrons point. Surtout qu'il n'y a aucune mitzvah d'être présent dans l'esplanade du temple. Hormis, évidemment, pour apporter des sacrifices ou bien pour construire le temple. Mais pour une simple visite, même si c'est pour prier, faire la prière, c'est hors de question. Indépendamment ou intérieurement à la raison halakhique, il y a une raison profonde, c'est que c'est pas notre niveau spirituel. Comme on le sait, le temple a été détruit à cause de notre impureté spirituelle. Il sera reconstruit quand nous retrouverons cette pureté, ce qui peut mettre du temps. Shalom, espérons.